Au printemps 2006, à Marseille, 12 personnes s'apprêtent à traverser l'Europe et la Russie en direction d'Oulan-Bator, Mongolie. Globetrotter, musiciens, cinéastes, mécanos, ils vont enregistrer tout au long de leur périple de nouvelles sonorités, partager le plaisir de prendre la route et de faire des rencontres, et surtout rejoindre l'orphelinat d'État où les attendent impatients 150 enfants. C'est un projet autoproduit qu'on a... C'est tous un petit peu débrouillé, chacun de notre côté. Là, c'est clair que pour ce voyage, Marseille, on a tous des sous de notre poche. Une grosse part de récolte de dons. On a fait appel à nos parents, à nos amis. Nos écoles, de quand j'étais petit, de mon village. Voilà, à nos maisons. La route défile, et les kilomètres aussi. C'est un rythme excitant et à la fois hypnotique. À chaque arrêt, la vie commune s'organise autour des besoins élémentaires. La détente en fait partie, et là, à chacun sa formule. Petit, comme ça. Roscoff, on a passé une journée entière qu'on a passé suspendu au bout du téléphone, à savoir quel papier il nous fallait, quoi, comment pour rentrer en Russie. Ben, on n'a toujours pas d'autorisation pour le matériel humanitaire. Vu que personne en Russie, ni en France, ni aux ambassades ou quoi, était capable de nous dire comment il fallait faire. On nous a juste dit qu'il fallait une invitation d'une asso. On a une invitation d'une asso, mais il faut un papier officiel tamponné du gouvernement russe disant qu'on est autorisé à rentrer ce matériel précisément. Donc voilà, c'est un truc qu'il va falloir aller chercher à Saint-Pétersbourg. Là, ça fait quoi? Ça va faire bientôt 20 heures qu'on a la douane. Au mieux, on repart lundi, c'est-à-dire dans 3 jours. Et au pire, on passe une semaine, 10 jours ici. Si eux, ils restent là, c'est peut-être bien que le man reste là pour qu'ils aient une douche, de quoi faire à bouffer. Ils n'ont plus de gaz, plus rien, ouais. Sinon. Et vous dormez. Et dormir, quoi. Ne te laisse pas tout seul avec les véhicules à la frontière. Non, à 4000 bornes de chez nous. On a eu la chance d'avoir Colline. Si franco-russe qui habitait à Saint-Pétersbourg. On a eu la bonne idée de passer par cette douane-là parce qu'on avait tous envie d'aller voir Saint-Pét, qu'elle avait pu avoir une date pour faire jouer les mecs. Et que comme la frontière était quoi, à 150 miles, elle a pu bien nous dépatouiller. Toutes les histoires de traduction de papier et compagnie. Ça nous a permis d'avoir un pied-à-terre à Saint-Pétersbourg et de pouvoir du coup aller les frapper à toutes les portes possibles et imaginables pour essayer de nous dépêcher. Les ambassades, les clubs, les associations. On a passé du temps quand même dans les bureaux.
Bon, on a passé 12 jours en douane quand même. Oui, je sais, ouais, j'ai traîné sur le parking là. Ouais. Je les ai comptés les cailloux. On constate que c'est quand même du travail de merde, qu'il y a du jeu. Si on passe de l'autre côté, on voit très bien que le diamètre des écrous est beaucoup plus petit que le diamètre du trou ici. Si on regarde ici le diamètre, il y a plus d'un demi millimètre, voire 8 à 10 millimètres de jeu. Regardez, on le voit là, en le prenant en bas. Et il faut aller chercher des écrous. Putain, on est à non, non, c'est même pas qu'il faut aller chercher des écrous, c'est que. Il faut des écrous et il nous faut une pièce comme ça, qu'on ressoude par-dessus. Ouais. Qu'on ressoude par-dessus. Pour juste une journée, tu sais, c'est bon, puis c'est beau. Quelques kilomètres plus loin, le hasard fait encore bien les choses. On tombe sur un garage spécialisé en poids lourd. On y trouve des gens extrêmement sympathiques. À tel point qu'ils stoppent tous instantanément leur activité pour régler notre problème. Ils ont quand même fait les réparations d'une façon hallucinante, quoi. En deux temps, trois mouvements, et puis pour rien. Donc, au départ, on était quand même là, bloqué en plein milieu. Il a réussi à se dire, mais comment on va faire pour... Ils voulaient même qu'on reste à bouffer après, quoi. On est tout ouais. Ils vont rester pour les chercher. Les chercher. Ouais, tu viens. Ok. Soignez. Ok, ok. Pas super été. La Mongolie. Enclavée entre la Russie et la Chine, la Mongolie est un pays fait de steppes immenses, de hautes montagnes et de déserts. Outre l'entrée dans l'économie de marché, elle a subi de 1998 à 2002 des catastrophes climatiques, les Zuds. Les températures ont pu chuter jusqu'à moins 60 degrés. Ces hivers exceptionnellement froids, suivis de sécheresses printanières, ont provoqué la mort de millions d'animaux et l'exil de milliers de nomades dans les bidonvilles d'Oulan-Bator. Les enfants sont les premières victimes de cette situation. Environ 5000 enfants vivent actuellement dans les rues. Certains d'entre eux ont la chance d'être cueillis par différentes associations ou par l'orphelinat d'État. Je pense qu'ils ont vu une bande d'huluberlus débarquer en véhicule, qui ne savaient pas du tout à quoi s'en tenir et qu'au bout d'un moment, en fait, ils se sont rendus compte que c'était plus des potes qui étaient arrivés que des gens qui étaient venus pour bosser avec eux. Je pense, j'espère qu'ils m'ont vu comme ça, que même si tu as toujours une différence d'âge qui font que le rapport n'est pas le même, mais j'ai l'impression que ça s'est plus passé comme des potes. Voilà, on se levait le matin, on allait les voir, on faisait quelque chose, on partait, on revenait le soir, on faisait une disco, on faisait un truc. Ça avait l'air d'être plus un échange naturel. De comment tu peux vivre avec quelqu'un pendant un mois et demi qui habite à côté de chez toi. Ils sont tous là, il n'y en a pas tant que ça en fait. Alors. Non, mais il y en a plein qui dorment, hein. My French name, Bobo. Bobo, ok. Bobo. Police, police. Bobo.
Quand on arrive en Mongolie, on a toujours le droit à sa petite cérémonie. Une fois sur place, la caravane n'a d'autre but que d'apporter un bol d'air frais aux enfants. Changer un peu leur quotidien par le biais d'activités artistiques, remettre en état quelques infrastructures vétustes et passer des moments dans la joie et la fraternité. L'organisation du planning nous permet d'intégrer nos activités dans la vie de l'orphelinat. C'est aussi un premier contact avec les encadrants. Les activités se mettent en place dès le lendemain. Et on se rend rapidement compte qu'avec les enfants, la barrière de la langue n'existe pas. File-moi la balle là, file-moi la balle, Boris. Tu pleures, hein, et 30 secondes après, tu rigoles, hein. Bah à la base, j'aime pas trop les enfants. Donc je me suis dit qu'en venant ici, j'allais peut-être apprendre à les aimer, à les connaître. Voilà. Parce que peut-être qu'un jour, il va falloir que j'en fasse, alors avant d'en faire, il vaut mieux s'enseigner, quoi. За тэгэхээр намайг томглог гэдэг. Би энэ өнчин хүүхдийн асрамжийн цэцэрлэгийн эрхлэгчээр ажилладаг. За анх би 1988 онд энэ цэцэрлэгт томилогдож ирж ингэж багшаар ажиллаж байгаад 1992 оноос хойш одоо энэ цэцэрлэг хариуцсан дэд захирлын үүрэгт ажлыг гүйцэтгэж байна. За тэгэхээр манай байгууллага бол 1974 онд анх байгуулагдсан цэцэрлэг маань хүүхэд асран хүмүүжүүлэх төв маань бол 1991 оноос одоо яг албан ёсны нэртэй болоод ингэж явж байгаамаа. Цэцэрлэгт маань 3-7 насны хүүхдүүд байдаг. За эдгээр хүүхдүүд маань ямар хүүхдүүд байдаг вэ гэхээр хагас болон бүтэн өнчин, эцэг их асран хамгаалагчгүй. Хүүхдийн бага насыг бол ер нь хүний бага насыг те хөгжингүүгээр төсөөлөх аргагүй. Хөгжмийн дунд амьдарч байгаа хүүхэд одоо ами хөгжмөөс янз бүрийн одоо хүмүүжлүүдийг өөрийгөө төлөвшүүлэх нөхцөлийг бол бүрдүүлж яадаг гэж боддог. Хөгжим чухал өөрөө хөгжтөж байгаа. Том болоод энэ өнчөөрөөс хүүхдүүд маань бас бусдын айдал эцэгтэй хүүхдүүдийн айдал ингээд амьдралд хөл алдалгүй ингээд адилхан амьдраасаа яваасаа сайн сайхан нэг үзээсэй гэсэндээ хүүхдүүдтэй өнгөж хамт ажиллаж байгаад их баяртай байдаг. Энэ хүүхдүүд маань дуу хоор хөгжмөгүүгээр энэ амьдралыг бас амьдралын нөтөр гонгийг бас хорхон зурж гэсэн мартаж байдаг баг. Тийм учраас хүүхдүүдтэйгээ ажиллахад их уралтай байдаг. Salle de bain aussi, bah, c'est un truc qu'on n'avait pas prévu de faire. On est tombé sur la salle de bain des gosses où ils prenaient leur douche là-dedans, c'était un peu moisi quoi. Je me suis dit que j'allais leur apprendre, ou plutôt leur améliorer leur salle de bain. Donc
On a fait, qui n'est pas fini d'ailleurs, qui est en cours, une nouvelle salle de bain. En engueulant les enfants, parce qu'ils étaient là au milieu, ils cassaient les couilles, et puis nous on était là avec des marteaux, des burins, alors obligés de les arroser pour qu'ils s'en aillent, après ils reviennent, ils t'arrosent. Un calvaire, quoi. Vraiment. Yaoui ! Et c'est quoi les travaux que vous allez entreprendre ici ? On a refait la dalle. Qu'est-ce que là, là ? La dalle, après la peinture, l'écoulement et douche. D'accord. Tu pourrais nous expliquer comment vous avez trouvé les fonds pour pouvoir refaire la chape, refaire la salle de bain ? Pour l'instant, c'est nos fonds, quoi. C'est en faisant une loque, avec l'argent de la loque qu'on a fait samedi, là, au bar français. On a investi dans l'électricité et dans le matos, là, aussi, là. Ciment, sable, peinture. Ça veut pas grand-chose, mais après, c'est juste du travail. En fait, on a monté un atelier de marionnettes. Donc, les têtes de marionnettes, on les a faites en papier mâché. Donc, avec du papier qu'on avait récupéré dans les dons et mélangé à du papier peint. Donc, voilà, un exemple de nos marionnettes. Et puis voilà, après, sinon, le bois, on l'a trouvé sur place pour faire les bâtons. Dans les dons, on a récupéré pas mal de bouts de tissu divers et variés qui nous ont servi aussi à faire les vêtements. Moi, mon domaine, c'est donc la couture. Je voulais apprendre la couture un petit peu au môme. Bon, j'ai pas pu le mettre en place comme je voulais le faire, mais donc je l'ai fait un petit peu par le biais de l'activité marionnette qu'on a faite avec Coco et Carole. On travaille sur Émilie Joly, donc c'est un conte qui est occidental. Et une approche de faire les marionnettes qui est occidentale, forcément, vu que on vient de là où on vient, quoi. Et je trouvais ça sympa de faire cet échange. Par exemple, là, sur le projet d'Émilie Joly, on a remplacé des personnages par des personnages typiques d'ici. On va remplacer certainement un chant ou deux par des chants typiques d'ici. Mais tout en gardant quand même la trame du conte qu'on connaît, et l'échange, il se fait là. Nous, on avait un objectif bien précis, tu vois, Coco, le théâtre, faire des trucs avec les gamins, tu vois, amener des choses, et puis moi, pareil, électricité, j'ai refait l'électricité, et je pense qu'à ce niveau-là, on était complet, tu vois. Alors, le truc, c'est pour repérer tous les fils ici. Ouais, et après, démonter les plaques, là, tu vois. Et après, regarder. Ouais, et après, le blanc, c'est la dernière phase, là, le rouge. On a une scie en métal. Et comme quand je fais la mécanique, il reste toujours des écrous en plus. Premier quand même était d'aller dans cet orphelinat pour travailler avec les enfants et j'avais envie de leur faire découvrir donc la photographie. Ok, yes. One. Two. Two. Three. Open. For 2 minutes. Alors en matériel, j'ai amené mes appareils photo évidemment. J'ai amené aussi mon agrandisseur pour pouvoir agrandir et développer les photos avec les enfants. Et sur place, j'ai animé des ateliers sténopées. C'est des boîtes noires, le principe de la chambre noire, où voilà, on met un papier photo avec un petit trou dans la boîte qui imprime une image. Donc j'ai pu réaliser ça avec les enfants. Allez, on a pris 4x4 de Franck. Et ce matin, ça c'est le négatif papier. Et ce matin, on s'occupait de le mettre en positif. Je vais sortir le papier. Je vais le mettre dans le révélateur pendant 2 minutes. Et là, l'image, elle va apparaître petit à petit. Après, je vais la mettre dans le bain d'arrêt pour arrêter la révélation. Et après, je le mets dans le bain de fixateur pour fixer. Oh, il nous a envoyé son nom. Gir. 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 Gir.
Pour moi, c'était génial de voir, bon, déjà, une boîte, ils ne comprenaient pas tellement. Là, on est à l'heure du numérique, ils ont l'habitude de voir la photo arriver directement. Uh-huh. Là, de voir cette petite boîte de conserve que même avait fabriquée, et de voir l'image arriver dans le révélateur et de voir leur tête, waouh, ah, ça arrive et tout, c'est super, quoi, quand tu peux transmettre ta passion à des gens, surtout là, ces enfants qui étaient super curieux. Fabrique une douche parce qu'on pue. Bah, là, en fait, je remets la jupe sur le prototype, l'exemple pour les gamins. Puisqu'après, ils vont faire leur costume de marionnette, tout seul, comme des grands. Tu suis un petit peu les traits que t'as fait, ok? Tu vas jusque là, regarde. Là. Karine. Moi, j'en ai Karine. À la fin, donc, il y a eu toute la mise en scène, tout le... du spectacle, et à la fin ils ont vu comment est-ce qu'on montait une boîte noire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour avoir une salle de théâtre normale, on va dire. On a mis les lights, on les a fait répéter, heureusement, avec la prof qui est venue nous aider pour la langue, parce que c'était dur. Ok, so you start. Hello, I'm Emily. Dès que le rideau s'ouvre, tu tournes la première page, en fait. En voix off, elle dira « Il était une fois une petite fille » et comme ça, on a le livre en même temps. C'était les petits, c'était là, ils répondaient carrément aux marionnettes et tout. C'était vachement... c'était bien, ça veut dire que c'était réussi, quoi. Et puis tous derrière, ils étaient en âge et tout. Ils étaient à donf avec leur sujet, Non, c'était vraiment bien. Le fait de venir bosser avec ses enfants, c'est sûr que ce que tu donnes, ce que tu mets en avant, c'est ton énergie et ce que tu leur apportes humainement, quoi. За сургалт хүмүүжлийн ажлын хувьд гэвэл бид нэг хүүхдүүдтэй Монгол улсад мөрдөгдөж байдаг сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн боловсролын одоо программын дагуу бид нэр хичээл сургалт явуулдаг. Нийтдээ 7 төрлийн хичээл ордог. За энэ хичээлийн дагуу бид нэр хүүхдүүдэд бэлтгээд 7 нас хүрэхээр нийслэлийн 53, 55 дугаар сургуулиудад хүүхдүүдэд ингэж шилжүүлж өгдөг ийм журамтай. За ерөнхийдөө манай цэцэрлэгт бол нийтдээ 50 гаруй багш ажилладаг. За цэцэрлэгийн маань хөдөлмөр зохион байгуулалтын хувьд гэвэл 4 ээлжээр ажилладаг нийт ажилчид маань. За тэгээ байнгын одоо ажиллагаатай гэр байгуулалт учраас бүх одоо хүмүүс маань ээлжинд орж ингэж хамрагдаж ажилладаг юм аа. Миний нэр Тамир Авдаг. За одоо энэ байранд орчихноос хойш одоо 4 жил болох чинь баян хөлтэй лээ. Тэгээд яг тэгээд аа нас ораал тэгээд хэдэн жилийн дараа нэж нас ораал тэгээд имид байгаа ах ихч нартай байсан. Тэгээд манай имээ яг тэгээд энэ жилүүд одоо сайн сэтгэлтэй сургууль олдсон магадгүй. Тэгээд энэ дээр ерсийн тэгээд имид ч гэсэн баярлаж. Энд ерсэндээ би ч их баяртай байна.
Тэгээ энд ирээд 10 дугаар анги 8 дугаар ангид төгсөөд энэ хүүхдүүд яах вэ гэдэг асуудал биднэрт одоо маш их хүнд бас асуудал байж идэг. Яагад вэ гэхээр хүүхдүүд маань их хөвчлэн бүтэн за бүр хагас үнчинж зарим хүүхдүүд байдаг. За тийм байдаг учраас тэр хүүхдүүдийн маань одоо 8 10 дугаар анги төгсөөд ингээд сургуулаас гарах болохоор тасаад авах хүн бараг байдаггүй. За байсан ч одоо яг амьдрал дээр бол юу харагдаж байна гэхээр нөгөө өөрсдийнхөө төрөл төрөстөөс нилээд одоо олон жил хол тасархай амьдрсан учраас бас одоо яг ингээд шууд ингээд аваачаад өгөхөр бас таарч тохирохгүй санаа сэтгэл одоо үзэл бодол нийлэхгүйгээсээ болоод бас буцаж ирэх явдал бол нилээ байдаг юм аа. А зүгээр яг одоо сүүлийн социализмын үед бол одоо манай хүүхдүүдийг бол улс их харж үздэг байсан л да. Тэр нь яадаг байсан гэхээр одоо сургууль төгсч байгаа хүүхдүүд цөмөр ингийн одоо дээд сургуульд орох боломжтойг энэ дээд сургуульд нь техникийн мэрэгжлийн сургууль орох боломжтойг энэ одоо тийм сургуульд нь эсвэл одоо ажилд ямар нэгэн байдлаар ажлын одоо байртай болгоод өшөө дээрээс нь одоо амьдрах орон сууцаар хангадаг юм сайхан байсан юм аа. Тэгээд одоо яг сүүлийн үед бол яг манай одоо энэ улсын эдийн засгийн хямрал одоо янз бүрийн нийгмийн асуудлуудаас болоод энэ хүүхдүүдийн талаар одоо энэ асуудлууд шийдэгдэхэд болчиход байгаа юм аа. Багш намайг Чинба гэдэг. Би тэгээд энэ байранд дөрөвдөг жилдээ болох гэж байна. Дөрөвдөг жилдээ амьдарч байна. Тэгээд энэ хооронд бол маш олон найз нөхдөдтэй боллоо. Олон дүүнэртэй ч боллоо. Би бол энд анх эрэхтэй л маш хэцүү байсан. Нэг хүнтэй ингэж харьцаж чаддгүй. Тэгэл ер нь жоохон харьцааны соёл бол үнэхээр муу байсан. Тэгээд тэр бол энэ ирээд бол жоохон гайгүй болж байгаа гэж болондоо. Тэгтээ энэ ирээд эрслээ хэцүүгүй л яг хичээлээ хийчин. Тэгээд нөгөө гадаад хүмүүстэй сайн ярьж сурж байгаа. Тэний тиймэршүүл. Тэгээд өөрийнхөө би одоо өөртөө арчаатай л нэг тийм хүн болж байна. Тэгээд одоо энэ ансамбльд хөгжмийн юугаар орох юутайгаа төлөвлөгөөтэйгаа хэрвээ тэр бүтчүүд би хөгжмөөр амьдрна гэж бодож байгаа. Тэгээд одоо би яг энэ байранд бол мориур тоглож сурж байгаа даа. Рам 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 рам. Très vite déchargé, très vite distribué. Voilà, finalement, en 3 heures. On s'est aperçu que entre deux averses. C'est le principal de notre voyage, en fait, que tout ce qu'on avait donné en relation avec les gens, c'était des fois plus important que ce qu'on avait pu ramener. Avec Arun Toya, la professeure de musique de l'orphelinat, on a mis en place l'enregistrement des enfants qui chantent. Leurs chansons, beaucoup de chansons traditionnelles qu'on a recroisées tout au long du voyage, comme le Otsin Tsagan Botok, le petit chameau, Bon Bayard, qui doit être un monsieur bien connu dans le coin. Premier enregistrement qu'on a fait dans leur classe de musique, avec une grosse réverbe et beaucoup de bruit environnant, parce qu'on était dans un orphelinat, donc des enfants qui jouent au ballon derrière, la dance music. C'était un peu chaotique ça, donc on n'est pas trop arrivé à finaliser. 3. Puis après, on a vu Franck avait récupéré une yourte, on a changé d'endroit et on a enregistré dans la yourte. Et là, on s'est rendu compte que la yourte, c'est un pur studio. Aucune reverb, le son est neutre, parfait. Pour le matériel qu'on avait, c'était impeccable. Ouais. Бишрэлтэй хэн гэж ирэх
CD de ça, qu'on leur a laissé avant de partir, un petit CD à 8 titres où le son était plus ou moins potable, je pense, et pour que ça leur fasse un souvenir de notre passage avec une petite jaquette, avec toutes leurs photos dessus, et puis petit blabla. Titre. En arrivant à l'orphelinat, on n'aurait jamais imaginé s'attacher autant aux enfants. On a vécu des choses très fortes avec eux. Le jour du départ, nos sentiments sont partagés entre joie et tristesse. Finalement un mois et demi, c'est ça? Oh, on a passé un mois et demi à l'orphelinat.
Mathieu et Fanet, c'est vrai que ça a été une rencontre comme ça, via le blog qui s'est faite un petit peu par hasard, enfin en tout cas pour nous. Quoi. Un jour Mathieu nous a contactés, il a fait voilà, je suis en Mongolie, ce que vous faites, ça m'intéresse, ça correspond à peu près à ce que je fais aussi, vu qu'il faisait son reportage là-bas. Et que c'était quand même un des gros objectifs qu'on s'était donné au départ, mélanger notre musique électronique avec de la musique traditionnelle. Et de proposer d'aller faire ce festival à Raorine qu'ils ont organisé. On s'est tous engrainés dessus pour être à Carcorine. Là, c'était quelle date? C'était le 1er septembre. Le 1er septembre à Carcorine, c'était beau rencard. За миний нэр Эрдэнэхүү Хөөмөлчин энэ харгалын нутагт төрсэн. Энэ анхны нүүдэлч сэтгэлд үүж олцож анх нүүдэлс хэрэгсэн хамтлаг байгуулсан. Хамтлагтай. Одоо манай хамтгийн гишүүд энэ байж байна. За тус тустай өрсөлдөөн танилцуулах юм бол заавал миний хэрэг гэж юу? За би одоо нүүдэлч сэтгэлийн хамтлагийн гишүүн Морин Хуурч Хүрвэ гэдэг хүн байна. Би өвөр ханга аймгийн Баян дээр сурсан. А одоо бид нэр одоо 12 жил хамтран тоглож байна. Одоо гадаа дотоод юм цаг тоглосон тийм санааны хэлс олсууд юм байна. За миний нэрийг давасан бо гэдэг. Энэ хамтлагийн хүмүүсчин, дуучин. Энэ өөр ханга аймгийн хүмүүс сумд төрсэн. Өвлийн багш мэрэгчлээ. Одоо тэгээд чөлөө дурм бүтээлж болоод хамтлагийн хамтаа хамтарч ажиллаж байна. Qui sont faites avec la harpe, les médiums qui sont envoyés par le Morinour et les chants qui montent dans les aigus grâce au Kumi. Beginning, learning, first time. So. After, make it in tune is up or down. Then after is coming in high tone. Le truc, c'est que, ouais, ben, en France, je pense qu'on doit pouvoir trouver des CD de cette musique très bien enregistrée à la FNAC ou une chose comme ça. Là, on tombe sur des musiciens, apparemment, c'est des pointures. Enfin, moi, j'ai senti que c'était des pointures en musique. C'est-à-dire que le mélange, il est carrément possible. Ouais, puis carrément possible, par exemple avec un des chanteurs qui était là, on a mélangé en temps réel un rythme breakbeat comme nous on utilise électro à 135 BPM. Et le gars nous a pris sa petite guitare à deux cordes, son Topshul et sa voix. Et ça a fait quelque chose tout de suite sur les tempos et tout ça, on s'y est retrouvé.
би эхлээд ойлгохдаг бас өөрөө хөгжмийн бас урлагийн чиглэлийн хүмүүс гэдэг нь ойлгохгүй байсан л да. Тэгээ өчтөр яг нөгөө хүн юм амьд юм гэдэг амьдаараа болохоор ондол байд юм байна л да. Ингээд хөөми ороод те ингээд үнхээр хөөми момент бол үнхээр гоё нийцдэг юм байна. Гоё нийцэж байна. Тэгээд өчтөр л ойлголоо. Сайхан байсан. Сэтгэл маш өндөр байсан. Ойрын үед гэж бүжиглж байгааг үгээр л бүжиглсэн. Бүжиглж байгаа бол готлын үлгүй байхгүй. Tout le festival, et on a gravé le CD du festival à tous les gens qui étaient là, qui étaient étrangers comme beaucoup. Тэгэж штэ анх ингээд сонсоод тийм хатуу тийм төмөр шиг сонсогддог сонсогдчихсэн ингээд юм төмөр ингээд балбаад байгаа ч юм шиг тийм ингээд дотор ингээд балбаад байгаа ч юм шиг тийм сонсогдчихсэн. А тэгээ яг үүдээ тэгээ яг ингээд бодоод тахад энэ техно сонсоод тахад зөвхөн дэлхийн одоо энэ хорвогийн тийм орчлонгийн тийм хөгжил юм уу да тий яг тэгжэл санагдчих байгаа хгүй ингээд одоо бодож шил хүмүүс чингэсэн үуч байдаг юм тиймээ тэрнээс хаш мэдчих юм тэгээд тийм уянгатай юм амьдрал тийм зөөлхөн байсан болов уу хүмүүс одоо бол үйлдвэрлэл энэ том том одоо тийм хөгжил юунаас тагаад ингээд юм ингээд хүн хүн өсөр ингээд болцсон юм шиг санагдаа яг тэрийг харуулдаг юм шиг надад яг тэгжэл боож байгаа гэх нэг сонсоод яг тийм сэтгэл хөдлөлөөс яг тэгжэл сонсогдчихсэн том том хот том том хот үйлдвэр гэх шиг тэр ингээд Ганзори qu'on a rencontré au concert à Khachokhin qui, suite à ce concert, avait peut-être envie de faire un essai de musique électronique et de ses chants traditionnels et de son morinour. Donc, en deux, ça s'est vite organisé. Et là, depuis une petite heure, on enregistre le live de Tétard, quelques bouts du live de Tétard, avec le chant de Ganzorig et le morinour. Servira dans son prochain CD vu qu'il a plus de il a sorti un CD, il a pas de nouveaux morceaux et apparemment il s'en est intéressé pour essayer de mixer ça et de faire écouter ça au peuple mongol. This is British speak song and I heard of it. Okay. Just come is here, eh? Then it's come. Why is after come? Then it's same. I'm some people in Mongolia is, oh, here, not good. Yeah.
Bien sûr, la Mongolie, ce n'est pas que des steppes, des nomades et des champs traditionnels. Plus de 60% de la population vit à Oulan-Bator, immense mégalopole. Comme partout, les jeunes sont branchés sur Internet, et comme dans n'importe quelle capitale, ils passent leur soirée dans les clubs où la musique électronique bat son plein. C'est vrai, on a quand même été, un petit peu bluffé, quoi. Ouais, ils nous ont pris à revers. L'entrée dans le Médusa, tu te disais, purée, quand même, quoi. C'est the gros club, quoi. On a trouvé un arbre centenaire, solidement enraciné en coin de steppe. De mèche avec les DJ mongols, on décide d'en faire le main principal de notre pirate party. Peur de ces grandes steppes approche. Ce qui nous amène à faire le point sur ce périple. De là, on aperçoit ces multiples rencontres, tous ces liens, toutes ces situations de la plus simple à la plus cocasse. En fait, tous ces éléments qui ont construit notre voyage. Le temps pour nous de rentrer vers nos réalités respectives est arrivé. Mais une chose est sûre, c'est que de ces tribulations, d'autres choses, d'autres envies vont naître.
c'est un terrain fertile. Alors, allez, fais la fête. Those kids.